Ce jeudi 27 juillet, le lendemain de l'annonce de la mort de Sinéad O'Connor, la justice anglaise a ordonné la pratique d'une autopsie pour découvrir les causes du décès soudain de la chanteuse à 56 ans. Sinéad O'Connor, la chanteuse irlandaise connue dans le monde entier pour sa reprise du tube Nothing Compared to You de Prince, est décédée ce mercredi 27 juillet, à seulement 56 ans, a annoncé le Daily Mail, puis confirmé par la BBC. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimée Sinéad, a déclaré sa famille dans un communiqué. Sa famille et ses amis sont dévastés et ont demandé le respect de leur vie privée en cette période très difficile, ont également partagé nos confrères. La chanteuse a été propulsée sur le devant de la scène dans les années 1990, mais elle avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière en 2021 à cause de nombreux problèmes de santé. L'annonce de son décès a été un véritable choc, et de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage. Sinéad O'Connor souffrait de plusieurs problèmes de santé. Sinéad O'Connor souffrait de plusieurs problèmes de santé importants, a partagé le Daily Mail. Ils ont été révélés au public en 2012 lorsque la chanteuse a fait deux tentatives de suicide. Elle a également publié au cours de ces dernières années des messages particulièrement préoccupants sur sa page Facebook, ce qui inquiétait énormément ses fans. Elle avait d'ailleurs affirmé que trois maladies l'avaient rendue suicidaire. Cependant, lors de l'annonce de son décès, aucune cause médicale n'a été donnée pour expliquer sa disparition soudaine à seulement 56 ans. Le London Inner South Coroner Court, le tribunal du coroner du sud de Londres, note de la rédaction, a ainsi ordonné ce jeudi 27 juillet la pratique d'une autopsie pour découvrir les causes de son décès et déterminer si l'ouverture d'une enquête est nécessaire. Le décès de Sinéad O'Connor à Limbus a été notifié au coroner le mercredi 26 juillet 2023. Aucune cause médicale de décès n'a été donnée. Le coroner a donc ordonné qu'une autopsie soit pratiquée, ont-ils partagé sur le site internet. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le tribunal a toutefois expliqué que les résultats de l'autopsie pourraient ne pas être disponibles avant plusieurs semaines. La décision de savoir si une enquête sera nécessaire sera prise lorsque ces résultats seront connus et que les observations de la famille auront été entendues, ont-ils précisé, avant de conclure, si une enquête doit être ouverte, la date de la brève audience publique sera indiquée sur notre site web.